Coucou, je vous retrouve pour vous montrer un nouvel échange de Happy Mail. Alors là, c'est avec Christelle que j'ai fait cet échange-là. J'ai reçu un énorme Happy Mail comme ça et à l'intérieur aussi. Donc, je le trouve super gros, super beau. Et je vais. Alors, voilà comment il se présente devant. Voilà. Avec les papiers ananas de chez Action. Alors, elle m'a fait un super tag avec un beau petit lapin comme ça. Voilà. Ensuite, il y a des tags, plusieurs tags de chez Action, je pense. Parce que je crois que je les avais achetés, je suis pas sûre. Non, je crois pas que je les avais achetés ceux-là. Ou je sais plus. À force, je ne sais plus. Ensuite, et ça tombe. Hop. Ensuite, à l'intérieur, ça se présente. Comme ça, tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Peut-être que tu pourrais mettre comme ça un peu. Alors, dedans, ici, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Il y a plein de petits, des strass, des breloques. Il y a des petits bonhommes, des nœuds. C'est trop mignon. Je vais pas les défaire tout de suite. Ensuite, j'essaye d'aller un petit peu vite parce que j'ai l'impression que mes vidéos, elles sont hyper. Oh! Ah, ça oui, j'avais vu. Elle m'a fait des petites fleurs au crochet, j'aime trop. Deux roses violettes, oui, rose. Et une blanche. Voilà. Ensuite, ici, encore plein de choses. Alors, il y a tout plein d'embellissements comme ça qui sont vraiment super mignons. Et bah, je vais vous en sortir quelques-uns quand même. Des tags. Des embellissements comme ça, papillons. Oui, j'essaye de faire vite, mais j'y arrive pas. Hop, des comme ça, des comme ça. Bref, pas mal de petites, de petits embellissements super mignons. Hop, je vais mettre ça là. Là aussi. Ah, mais c'est les aimants, ça. Génial. Oh, trop bien, mais j'avais pas. Oui, c'est les petits aimants que bah, moi j'ai pas acheté encore. Parce que là pour l'instant, ça fait un petit moment, non pas vraiment, mais que j'y suis pas retournée chez Action. Act like a lady, thinks like a boss. Voilà. Celui-là, je vous l'ai montré. Oui, sûrement. Celle-là, elle est mignonne aussi. Oh, c'est cool. Et voilà. Donc ça, c'est les petits aimants qu'ils ont sortis il n'y a pas très longtemps là chez Action. Voilà. Hop. Ensuite, alors là, j'ai été ravie, mais tu peux pas savoir. Il y a plein de trombones comme ça. Alors ça, j'adore ça. J'adore ça et en fait j'en ai quelques-uns en forme de lapin mais je les mets rarement parce que j'ai envie de les garder, j'ai envie de les donner mais en même temps j'ai envie de les garder. C'est un peu bizarre mais bon je les achète pour les envoyer et au final je les garde. Voilà. Donc elle est comme ça. Alors ça c'était le devant. Ensuite derrière il y en a encore. Donc j'ai également eu des petits cadres comme ça, des napperons, encore un petit cadre et des cartes Project Life. Celle-là, je la trouve super jolie. Celle-ci avec les plumes aussi, trop belle. Ensuite, 100% plaisir comme ça. Bah, j'ai pas regardé les autres. Oui, c'est bah, c'est recto verso en fait. J'avais pas fait attention. Voilà, celle-là, parfait, c'est le printemps.
Celle-là aussi, je la trouve trop belle. Et voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, derrière, il y a une enveloppe qui est collée et où il y avait une carte. Il y a toujours une carte. Voilà, une jolie carte avec un flamant rose que je trouve très très belle. Vraiment très jolie. Donc, je ne vais pas vous lire la carte, hein, comme d'habitude. Hop. Donc, voilà ce que j'ai reçu. Et je vais vous montrer dans la filée ce que je... Dans la filée. Oui, enfin, à la suite. Ce que je vais lui envoyer. Donc, à la base, j'avais fait un happy mail simple. J'avais fait juste le devant. Quand j'ai vu que j'en avais reçu un double, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de faire un double. C'est la première fois que je faisais quelque chose de double comme ça. Et en fait, je suis assez contente de moi. Donc, je vais vous la détailler. Donc, j'ai fait une petite bande comme ça avec ma bordure, ma découpe à bordure, un petit papillon et des fleurs comme ça. Et j'ai découpé des petits lapins à paillettes. J'ai rajouté un petit mot tendresse là. Et j'ai collé un petit ruban à froufrou comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai mis dedans? Hop, j'ai mis une paille comme ça. Voilà, au-dessus j'ai collé un embellissement. Ensuite, j'avais un cahier de chez Action avec des blocs 3D spécial pack. Et je me suis amusée à les monter. Et comme ça, dans les Happy Mail que j'envoie ces derniers temps, j'en rajoute des petites décorations comme ça que j'ai montées en 3D directement. J'ai mis deux sachets de thé comme ceci. Et j'ai rajouté également du papier. J'aime beaucoup ce... Oups. Comme ça. Comme ça. Bon, ça fait plus automne, hein. J'avoue que ça fait plus automne. Comme ça, mais je le trouve pastel, joli. Enfin, j'aime beaucoup. Ensuite, à l'intérieur, j'ai fait deux compartiments de chaque côté. J'ai rajouté deux pailles. Deux pailles comme ça. J'ai fait un tag, voilà, alors dans le fond c'est un des papiers comme ceux que j'ai de... Oh, c'est un de cette série là, voilà, que j'ai découpé pour faire un, pour mettre en tag. Voilà, j'ai rajouté des brads, comme ceci. J'ai, ah oui, là c'est quelque chose que je vais rajouter de personnel. Ensuite, j'ai mis des petits stickers fait main. Ici, j'ai mis un trombone comme ça, là, doré. Alors là, j'ai mis des petits lapins parce que j'en mets quasiment dans tous mes envois. Et là, il y a de la dentelle. J'ai mis de la dentelle. Ensuite, là, j'ai fait des tamponnages. Bon, c'est fermé, je ne vais pas vous les montrer. Et j'ai rajouté des petits tags de chez Action. Voilà. Et pour faire une lettre, en fait, j'ai découpé une silhouette de lapin. Et derrière, j'ai écrit mon petit mot derrière. Voilà. Voilà, une nouvelle façon d'envoyer un petit mot. Donc voilà comment elle se présente. Bon, moi j'ai un souci, il va falloir que je trouve une colle adaptée à ce genre de choses parce que j'ai l'impression qu'une fois que c'est sec, ça fait, je sais pas, la matière elle me plaît moyennement. Mais je suis quand même assez contente du résultat. Voilà, là j'ai mis du masking tape pour soyons honnêtes, hein, pour camoufler un petit peu les imperfections. Voilà. Donc j'espère que ça plaira et puis je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo.